C'est toujours un plaisir de recevoir l'OM, surtout dans notre beau stade de Parchemin. Et c'est vrai que c'est un honneur de recevoir l'équipe de la région qui donne la ferveur à tous les supporters. C'est une très grande fierté pour la ville. Un honneur aussi que l'Olympique de Marseille vienne enfin jouer au stade de Parchemin à Fos-sur-Mer. En fait, on est en partenariat depuis 2017, le 7 juin. Et depuis ces 4 ans, c'est vrai que c'est que du bonheur, puisque ce partenariat est très fort et puissant pour nous, le club. Et c'est une belle représentation dans la région. Peut-être qu'un jour, il y aura parmi nos jeunes un futur André Bergignac, pourquoi pas. Et donc voilà, c'était un grand honneur. Ah, c'est cool, c'est enfin le retour dans les stades, quoi. Ça fait plaisir de revoir un match, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu au stade. Et même si c'est pas le Vélodrome, ça fait toujours plaisir de voir l'OM, quoi. Ah, c'est rare, mais ouais, ça fait toujours plaisir. On avait envie de voir le match de l'OM, on a été visiter Marseille, donc on s'est dit ce soir, c'est l'occasion de venir les voir. Ça fait un plaisir, depuis un an et demi qu'on n'a pas eu de match, qu'on n'a plus de sensation de stade, là c'est un régal, quoi. Ça fait vraiment plaisir, surtout à Fos. Ça donne une autre image de la ville, comme vous savez, et puis on est quand même une ville très sportive, hein, parce qu'on a quand même, je rappelle qu'on a quand même plus d'un tiers de la population qui adhère à un club sportif, c'est énorme. Et en plus, on vient d'être encore reconnu au niveau national, parce qu'on a été labellisé encore ville active et sportive pour 3 ans, donc c'est un grand honneur, une grande fierté. Ah ben ce soir, c'est l'apothéose pour nous.